Mais dis-moi, Louis, pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? Eh bien Jérôme, c'est très simple. En vérité, ce qu'on appelle mal de tête est un symptôme un peu vague qui peut avoir de nombreuses causes. La plus commune est la céphalée de tension, qui se caractérise par des douleurs frontales, aux tempes, mais aussi à la nuque, en gros à peu près partout sur la tête. Les mécanismes exacts qui entraînent ces douleurs que nous connaissons tous sont encore mal connus. On identifie cependant un resserrement des muscles du cuir chevelu, du visage et du cou qui se contractent, ce qui peut occasionner spasmes et douleurs. Les causes présumées des céphalées de tension sont divers facteurs, principalement psychologiques, comme le stress, la fatigue, l'anxiété. Certaines positions peuvent aussi favoriser ces maux de tête, comme le fait de travailler penché sur un ordinateur. Il faut bien différencier les migraines, qui peuvent être beaucoup plus dérangeantes, voire incapacitantes, et qui peuvent nécessiter un traitement sérieux. Les maux de tête peuvent aussi être causés par des sinusites, de l'hypertension, un AVC et autres choses assez joyeuses. Ah, et il faut aussi savoir que les femmes ont plus de chances de subir des maux de tête avant et pendant leurs règles. Mais pourquoi? Eh bien, c'est principalement dû aux fluctuations hormonales qui interviennent pendant la période menstruelle. Les niveaux d'œstrogène chutent brusquement, ce qui occasionne de l'anxiété, des changements d'humeur, du stress. Ah, mais on a de la chance! Je te le fais pas dire. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour un autre pourquoi, alors n'hésitez pas à nous proposer d'autres idées. Bisous! Pardon.